à cette édition 2019 de la remise de diplôme d'IMT Atlantique, campus de Brest. IMT Atlantique est une école internationale. C'est vraiment devenu mon école de cœur et je pense que je peux vraiment dire que j'y ai passé la meilleure année de ma vie. Quant à moi, je pense que si j'ai pu profiter de quelque chose ici, c'est avant tout de la camaraderie et de l'amitié. La première personne à s'exprimer est la raison pour laquelle nous ne sommes pas simplement une école bretonne, mais une école de Bretagne, pays de la Loire. Merci d'accueillir très chaleureusement Anne Beauval, directrice déléguée. C'est effectivement une journée qui est l'aboutissement de beaucoup d'efforts, de beaucoup de travail, de beaucoup de plaisir aussi, j'ai entendu, hein, bien sûr. D'une certaine façon, une journée de passage entre cette école qui vous a formé et puis la vie professionnelle dans laquelle vous êtes déjà en train de vous lancer. Il est maintenant temps d'accueillir le vice-président de l'association d'IMT Atlantique Alumni, Monsieur Sullivan Goville. Notre école, pourtant si jeune, inculque quelque chose de très profond déjà, dans les enseignements, le respect de l'autre, l'interculturalité. Ces qualités sont reconnues dans bien des entreprises. Toutes mes félicitations et bienvenue dans cette grande communauté d'alumni. Voilà, merci. La personne qui va s'exprimer, vous ne la connaissez peut-être pas, mais elle voit tout et elle veille sur vous. Moi, je la connais. Bravo à ce beau parcours que vous avez fait jusqu'à présent, vous, les élèves. Et il y a aussi le soutien des parents, le soutien tous les jours. Donc, je dis merci aussi aux parents. Un ingénieur, c'est non seulement un acteur du changement du monde, mais c'est un acteur responsable. Pour moi, l'école est un morceau d'humanité. Et c'est toujours un énorme plaisir de travailler dans cette école aux côtés de jeunes qui sont venus du monde entier pour étudier en France. Merci beaucoup. Il est maintenant temps de présenter celui qui est le parrain de cette promotion et donc de cette cérémonie. Merci d'accueillir chaleureusement Arnaud Giraudon. C'est pas grave si vous vous trompez. Testez des choses, si ça vous convient pas, essayez d'aller les améliorer, soyez force de proposition. L'enjeu, c'est que vous soyez heureux, en général, et si possible dans l'environnement professionnel, parce que vous allez passer pas mal de temps. Essayez de construire ce qui vous plaît, là où vous êtes compétent et là où vous avez du goût. Vous tous, aujourd'hui, quelle que soit l'orientation que vous allez choisir, vous avez en commun un atout majeur, c'est ce que vous avez appris à l'école. Vous avez un bagage très solide dans un domaine technologique qui est majeur aujourd'hui à l'échelle de la société. Positionnez-vous sur les sujets de changement. Je vous invite, comme le disait Gandhi, à être les acteurs du changement que vous voulez voir dans le monde. Merci. Maintenant, un mot de Alice Caliger qui voulait nous fournir un témoignage. Si je suis là, c'est pour vous parler des femmes ingénieures, des problématiques qu'on peut rencontrer et comment on peut faire tous ensemble pour tendre vers plus de parité dans notre métier. Certaines personnes pensent encore que les sciences, c'est pour les hommes. Il faut qu'on arrive à casser les stéréotypes. Déjà, vous, ingénieurs, hommes et femmes, vous allez sûrement être amenés peut-être plus tard à diriger des équipes avec probablement peu de femmes. Posez-vous la question de ce que ça implique, de comment gérer de probables déséquilibres, parce que j'ai comme l'impression que tout ce que je vais faire ou dire, ça va être automatiquement relié à mon statut de femme. Et c'est pour ça que je trouve ça important d'en parler, pour peut-être permettre aux futures générations de femmes ingénieures de pouvoir faire leur métier sans cette pression sociale et culturelle. Nous allons maintenant pouvoir passer à la remise de diplôme effective. Je demande donc à Christian Persson, responsable du pôle doctorat, de venir à ce pupitre. Parfois tout aussi habillé et encore plus incongru, il faut maintenant présenter les FIP, qui sont un petit peu les pin-up de cette édition. Je demande à monsieur Philippe Mussard de venir sur scène. Je vais maintenant demander à monsieur Lomic Hamon de venir. On appelle les filières électroniques d'IMT Atlantique. Pour remettre ces diplômes, j'appelle sur scène Sylvie Carouédan, Isabelle Hardy et Michel Morvan. Thank you.
remettent leur diplôme aux étudiants des filières étrangères, les seuls véritables traducteurs de notre journée étudiant. J'appelle Alison Gourvès-Hayward. J'appelle donc monsieur Éric Cousin pour donner le diplôme relatif à l'informatique à Brest. Veuillez accueillir monsieur Lutfi Nuyami afin qu'il délivre les diplômes de la filière réseau de Rennes. Il est maintenant temps d'introduire nos réponses marketing et big data. Pour leur délivrer leur diplôme, nous invitons Nicolas Julien à nous rejoindre tout de suite. Monsieur Roger Valdec pour le MSTW6. J'appelle maintenant monsieur Yanis Aralambous pour le Master Data Science. Richeux pour remettre leur diplôme à la filière 3 de Rennes ainsi qu'au MS IAEI. Merci d'applaudir très très fort Valérie Burdin. Cette remise de diplôme est maintenant bientôt finie et j'aimerais que tout le monde ici se lève afin d'entamer ce qui est peut-être l'hymne de Télécom. J'invite tous les diplômés à nous rejoindre sur scène pour prendre une dernière photographie de promotion.